Hello everyone, welcome back to this lesson. This is Teacher Alex, and welcome to Teacher Alex English class. Well, in today's lesson, in today's video, I'm going to teach you guys the personal pronouns in English, okay? Bonsoir tout le monde, bonjour, bien bonsoir, et bienvenue sur Channel Parole de Situation. Nous connaissons sur Channel ça. Nous partageons des contenus évangéliques, son channel qui est typiquement évangélique, mais nous profiter et partager un cours anglais avec les amis, les amis fidèles channel ça, ok, qui est vraiment important, ok. Eh bien, les amis, je me tape d'italien. Dans la leçon aujourd'hui, je vais montrer nous pour nos personnels en anglais, ok. So, même qui tombe sur channel ça aujourd'hui, si vous pouvez abonner, profitez abonner sur channel ça. Vous avez besoin de pile bagaille, vous avez besoin de anglais qui est vraiment important. Vous avez besoin de pile activité sur channel ça pour pas regret, ok? Ou même tout qui déjà abonné, moi je vous merci pour support. Ok, like I just said, before we get started, what is a pronoun first? Ok, a pronoun is a word that we place, that can replace a noun, ok? Avant de continuer, qui est un pronom? Ok? Bien, un pronom, c'est un mot qui est capable de remplacer un nom, par exemple, ok? Ou bien une chose, ok? Par exemple, for instance, if I'm speaking about myself, ok? Si je parle de tête, moi, par exemple, je suis capable d'utiliser I, ok? Je suis capable d'utiliser I, ok? Pour moi-même, ok? Par exemple, also, si m'a parlé de yon chose, ok? M'a capable d'utiliser. On nous dit m'a parlé de mouse. Mouse, en anglais, on dit ça mouse, ça relève souris, ok? Si m'a parlé de mouse, ok? I can, si m'a utilisé un pronom pour lui, m'a utilisé it, ok? This mouse is beautiful. M'a capable de son bel tissu ou lié, ok? M'a dit, this mouse is beautiful. Ou bien m'a dit, m'a capable de dire tout, it is beautiful, ok? Noël? Okay, and also, to continue, okay, the subject pronouns or pronouns that can place before verbs in a sentence, okay? Okay, a pronoun is a word that can place before a verb in a sentence, okay? Kadi pronouns. Ou ka di pronoun, depends, sa pa depan quantité pronoun ap utilize. Ou ka di one pronoun or two pronouns, ok? Ok, j'en tape dit alea. Yon pronoun, c'est yon mot qui place devant yon verbe et nan yon phrase, ok? A pronoun is a word that place before a verb in a sentence, ok? For instance, ok, par exemple, ka di, I am a teacher. Ok, moi c'est un professeur. M là, c'est verbe to be. Ok, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Puis devant nous parler et faire conjugaison pour nous, faire bio. Mais en attendant, si m'a dit moi c'est un professeur, I am placé devant M là qui c'est verbe to be. Ok, I am a teacher. Ok, remember guys, let's recap. A subject pronoun. Is a word that placed before a verb in a sentence, okay? Yon pronom personnel, c'est yon mot qui placé devant yon verbe et nan yon phrase, okay? A subject pronoun, okay, is a word that placed before a verb in a sentence, okay? M'a besoin écrit ça. A subject pronoun is a word that placed before a verb in a sentence. Par exemple, I am a teacher, moi c'est un professeur. I go to school every day, m'a allé l'école chaque jour. Ok, aller la placer devant go qui c'est verbe aller. Même si mon par contre parler anglais, verbe aller, par contre le même to go aller. Ok, ok guys, in order to teach you the lesson I have for you for today, I'm going to share my computer screen for I can teach you the lesson for today. Ok guys, dans l'idée pour capable et enseigner nous leçon que pour aujourd'hui, moi pas partager écran ordinateur maintenant pour capable montrer nous leçon. OK guys. So just bear with me just a few seconds on the line. Excuse me. Just a few seconds so I can share my computer screen with you guys. Just a second. OK guys. Bear with me here.
Okay. I hope you guys... Well. So I hope you guys are able to see my screen now, okay? Moi, j'espère que nous sommes capables de voir l'écran ordinateur là. Ok, je me tape dit Talia, mes écrans, je me passe tout le monde. Ok, nous t'as parlé de subject personal pronouns. Ok, subject personal pronouns. Ça aussi pronom personnel sujet. Ok, ok, c'est au même placé devant un verbe et le conjugué. Ok, yo remplacé le sujet. Si je me tape parlé de moi en français. Et moi c'est haïtien, ok? Je suis haïtien, ok? C'est un tap dit ça en anglais. I am Haitian, ok? Je suis haïtien, ok? C'est comme ça. Eh bien en anglais c'est ça, on a petit dit, je dis là. Eh bien, yo en anglais, subject personal pronouns. What are they? Qui ça oye? Subject personal pronouns, ok? Pronom personnel sujet, ok? All right, déblayé pour ça. OK. Je t'ai dit Talia, welcome to teacher Alex, Alex English class. Thank you for tuning in everyone. OK. Bienvenue dans cours, anglais professeur Alex là. Thank you for tuning in everyone. Merci parce que nous connecté, merci parce que vous même cliquez sur cette vidéo ça pour capable venir suivre les sons ça avec nous. OK, profitez abonner à la chaîne là mes amis, profitez partager sur mes travail là, partager bon un feedback, bon un petit commentaire pour nous dire ça nous t'a dû améliorer dans quoi, qui ça nous t'a dû faire en plus. OK, pas gagne monde qui parfait, OK. Pas gagne monde qui parfait, si nous bon bagage t'a mérité améliorer. Par exemple, dernièrement, et dans les sommes de Baya, dernièrement, t'es comme qui dit écriture pas tellement bien paraître, t'es comme et t'es comme couleur jaune pas tellement approprié, t'es comme qui te bon feedback, laisse arranger ça, sinon, ouais, ça qu'on y a là, et puis et améliorer, ok, n'a pas de feedback, moi, give me your feedback about the class, guys, give me your feedback, tell me what I can do to improve everything, ok, bon mon feedback. Ça m'a dû faire plus, ça ou moi qui fait juste pour capable améliorer parce que pas y'a monde qui peut faire, ok? Ok? So, if you like what I'm doing, guys, please give me your thumbs up, ok? Bon, mon like, et puis partager, abonner, ok? Welcome to Teacher Alex English Class. Thank you for tuning in, everyone. Merci parce que nous connectez. Thank you for tuning in, lady. Merci parce que nous connectez. Merci parce que nous paraît, ok? Tout ça, ça veut dire merci parce que nous connectés. Thank you for tuning in, everyone. OK, welcome to Teacher Alex English Class. OK, let me share another slide with you guys. OK, subject personal pronouns, pronom personnel sujet. OK, please, guys, repeat after me, please. Repeat after me, guys. I, c'est moi. En français, c'est je, ok, I, moi, et puis en français c'est je, ok, you, ou, et puis en français c'est tu, ok, he, li, he, ou ka di he, ou kabab di, gen moun ki di he, ou kabab ka di, ou kabab antijan fè h la aspire, ok, he, ou kabab di di he, he know that, he knows that, ok, he, ok, he, li, capable de you know, capable de he ou capable de he, ça va dépendre du sens où vous voulez balayer, ok? Donc capable de he, li, ok, he, li ou capable de he too, he know that, he knows that, ok? He knows everything, ok? Ou capable de faire h la aspire, game ou capable choisir du he, game ou capable choisir du tout he, he knows that. He knows everything, ok? Ou capable de he, ou capable ka di tout he, ok? He, li, she, li, ok? Et let me remind you guys, ça aussi or singular. These pronouns are singular, ok? Pour nous personnels, ça yo, yo singulier là, ok? C'est pour trois personnes singulier, ok? Yo singulier, ça pour singulier, c'est I, you, he, she, it, ok? Tous les quatre ça, le singulier, ok? C'est singulier, ok?
I, ça est l'oie employé, l'oie utilisé au singulier, ok? C'est I qui c'est moi, je en français, you ou tu en français. He, live, ça est pour appartient au garçon, ok, au masculin. He, li, il, au masculin, excusez-moi. She, li, ok, elle en français, ok, pour une fille, ok? It, li, li veut dire li, c'est pour les choses ou bien les animaux, ok? Par exemple, j'aime t'as dit before, in the beginning of the lesson, j'aime t'as parlé de souris, de mouse, ok? Mais si t'as voulu parler de mouse là, j'aime utilisé it pour li, ok, pour les choses, ok? It, this mouse is beautiful, ok? Et mouse là, beautiful, ok? Et souris ça belle, ok? Mais si m'pas voulu utiliser non souris, ma place c'est pas it. This mouse is beautiful. It is beautiful. You got it, guys? You understand? Okay, I hope so. Okay, let's move on, guys. Let's move on. Let's continue. Okay? Okay, let's move on. Oh, let's continue. Okay, you apply it là. C'est l'audi il. Oui, il veut dire it là, veut dire li en créole, en puis il veut dire il ou elle. Il ou elle, ok? Capable de dire il ou bien elle. En français, ok? On nous dit si, par exemple, souris, si tu as dit pour un monde qui parle anglais, si tu as parlé de souris, je pense que c'est la souris, on dit, ou que tu as employé pour elle, ok? Ok? On peut utiliser ça pour les choses ou les animaux. Par exemple, si tu as parlé de un chien, ok? Et si tu as dit ce chien est méchant, ok? On peut dire il est méchant, ok? On n'a pas besoin de citer chien encore, c'est d'abord en anglais, this dog is mean, ok, chien ça méchant, ok. Eh bien, c'est d'abord dit, it is mean, ok, it is a mean dog, chien ça méchant en pile, ok. Ok, this dog is cute, ok, chien ça est belle en pile, ou bien it is cute, ok. Nous, différents temps, chien ça cute en pile, this dog is cute, ok, this dog is very cute. Eh bien, si je ne pas utiliser le nom de dog, je vais dire it. It is cute. Ok. It is cute. This dog is cute. Ou bien, on capable de dire tout. It is cute. Ou on place ou utiliser it là. Ok, guys. Let's move on. Let's repeat them again. C'est I, moi, en français, je, you, ou, en français, c'est tu. He, li, en français, c'est il. She, li, et puis en français, c'est elle. She, li, en français, c'est elle. On va employer au féminin pour une femme ou bien une fille. Ok? Ok? Hia, c'est pour garçon. Ok? Pour masculin. It, li, pour les animaux ou bien pour les choses. Ok? I hope you guys understand. Ok? Ça, on va employer ça au singulier. Ok? Let's move on to the next slide. Ok? Subject, personal pronouns, plural forms. Subject, personal pronouns, plural forms. Ok, ça est au pluriel, on va utiliser ça. Ok? We, nous, you, ou, vous. Ok? They, yo. Ok? They veut dire yo. En puis en français, on dit il ou elle. Elle dit un groupe monde, on dit soit parler un groupe garçon, on nous dit début commencer sur deux monde quand on a employé il ils, ok, soit parler deux filles tout, elle deux elles et es là c'est pour plusieurs filles, ok, début commencer sur deux filles etc, ok, you are c'est vous comprenez? Do you understand? Do you understand? Vous comprenez? Do you understand? OK? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? OK? Let's move on, guys. Let's repeat. Repeat after me, guys. Please repeat. S'il vous plaît, répétez après moi. Please repeat after me, guys. OK? Oui, nous, en bon français, c'est même nous encore, c'est juste un S ou ajouté. You. Ou, you, ou, vous, en français, ok? They,
yo, pablié, you ça, utiliser ni au singulier, ni au pluriel tout. Ça va dépendre du sens, du contexte là, ok? Ok, par exemple, hein, si ma parle avec nous là, nous sommes audience, même si nous pas visible devant là, mais nous sommes audience nous y est. Si ma dit, nous comprenons, do you understand? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Ok, mais si ma parle, si ta parle en deuxième, on tout, on dit si moi c'est Alex, m'a parlé avec Jean. Ok, m'a dit Jean, do you understand? Ok, ça veut dire que je suis capable d'employer ni you ça, ni au singulier, ni au pluriel. Ça va dépendre du contexte, du sens de phrase. Ok, guys. I hope you guys understand. I hope you guys get it. Ok, let's move on. I'm continue. They, yo. They, yo. They, veut dire yo. Il ou elle. Ok. Ok, en français, il ou elle. Ok, si on parle avec, for instance, une phrase, si on parle for instance, I'm the teacher. Ma parle avec Jacqueline, ok? Regardez Jacqueline, they don't understand the lesson for today. The lesson today. They didn't understand the lesson today. They don't understand. They don't know what they are doing. Yo pa comprendre ce qu'a fait. They don't know what they are doing. Yo pa comprendre ce qu'a fait. They don't understand. Okay, guys, I hope you got it. I hope you guys understand. Okay, we. Subject, personal pronouns, plural forms. Please repeat, guys. Subject, personal pronouns, plural forms. Okay. Let's. Okay. We, nous. Okay. We, c'est nous. Okay. You, c'est où. Vous. They, c'est yo. Il. En français, c'est il ou elle. Soit parler de. Ça parle de pas. I hope you guys understand. Okay. Let's move on, guys. Another slide. Okay, let's practice what we've been learning, guys. Remember, let's practice together, guys. On y a pratiqué ensemble. Ok. I go to sleep every midnight. Ok. Ça va pour première personne du singulier. Je parle de moi-même. Vous êtes capable d'utiliser pour vous-même tout. Ça va dépendre de vous-même. I go to sleep every midnight. Moi, aller dormir chaque minuit. Me, personally, I go to sleep like 1 a.m. in the morning. Sometimes at midnight, sometimes midnight and a half. Ok, moi-même personnellement, je dormi à minuit et demi, 1h du matin. Ok, bah, j'aime pas dormir bonnet même. Et puis, je lève bonnet encore. Ok, I go to sleep every midnight. Moi, aller dormir chaque minuit. Son exemple, ok, this is just an example, ok, c'est juste un exemple. It will depend on you how you will use the personal pronouns for yourself, ok, ça va dépendre de vous-même, j'en voulais utiliser. Moi, I just wanted to take an example to make sure you understand the lesson, ok. Me, I go to sleep every midnight, moi aller dormir chaque minuit. I go to sleep every midnight, moi aller dormir chaque minuit, ok. I am happy, moi content. I am happy to see you today. Moi content ouais aujourd'hui. I am happy to see you today. Moi content. I am happy. You are happy. Ou content. Okay. Okay. You. Ou deuxième personne non? Okay. You go to the gym. After work, you go to the gym. After work, you go to the gym. After work, ou aller dans le gym non? Là où sorti travail. Lorsque travail, c'est comme si on soit habitué. Qu'on crée là, que là sont gros problèmes. Ok? Ou aller dans le gym non? Là où sorti travail. Ok? You go to the gym after work. Ou aller dans le travail. Ou aller dans le gym non? Là où sorti travail. Ou faire sport. Dans ce travail, ok? You go to the gym after work. Ok.
You were not alone. You were not alone. You were not alone. Au pas pour contre. You are not alone. Au pas pour contre. I am not alone. Moi pas pour contre. I have Jesus in my life. Okay, I have Jesus in my life. So I am not alone. Moi j'ai Jésus dans la vie. Moi pas pour contre. So moi pas pour contre. Okay. I am not alone. Moi pas pour contre. You are not alone. Guys, you are not alone. We have Jesus. We have Christ. We have Jesus Christ in our life, so we are not alone. I am not alone. You are not alone. She or he are not alone, and they not alone. Okay, because we have a God that controls the world. Okay, nous avons bon Dieu qui a dirigé le monde. Nous pas pour contre nous. Okay, let's move on, guys. Let's repeat them again. Okay, let's practice, guys. Let's practice together. Okay, let's practice. Okay. I go to sleep every midnight. I go to sleep every midnight. Moi aller dormir chaque minuit. Okay? I go to sleep every midnight. Me I go to sleep more than about like later than this hour. Okay? Me personally, I go to sleep later than this hour. Moi personnellement, moi aller dormir plus tard que ça. Okay? Me I go like sometimes midnight and a half, minuit et demi du matin, okay? Okay, sometimes at 1 o'clock in the morning, parfois c'est à 1 h du matin, I go to sleep, okay? It will depends on the situation, okay? Sometimes at midnight, sometimes midnight and a half, sometimes at midnight, sometimes at 1 in the morning, okay? At 1 in the morning, okay? Let's move on, guys. I go to sleep every midnight. Moi aller dormir chaque minuit. I am happy, moi content. You go to the gym after work. Ou aller dans le gym non, là au travail. You go to the gym after work, okay? You are not alone, ou pas pour compte. You are not alone, ou pas pour compte. Let's move on, guys, to another slide. Okay, guys. Okay. He goes to school every day. He goes to school every day. Li ale l'école. Ça est pour garçon, soit hier, pour garçon ou masculin, soit font phrase avec. Okay. He goes to school every day. Li ale l'école chaque jour. He goes to school every day. Li ale l'école chaque jour. He goes to school every day. Li ale l'école chaque jour. Pour au féminin she, okay, pour une femme ou bien une fille, for a woman or a girl, okay, she speaks English very well. She speaks English very well. Elle parle anglais très bien. She speaks Spanish very well, okay. She speaks Spanish very well. Elle parle espagnol très bien. She speaks French very well. Li parle et français très bien. She speaks French very well. Li parle français très bien. She speaks English very well. Li parle anglais très bien. She speaks English very well. She speaks English very well. Li parle anglais très bien. It is hungry. Ça est pour être là. It is hungry. Is là ce verbe to be. C'est verbe être en anglais. C'est I am. You were, he is, she is, it is, okay? Okay, ça c'est pour les animaux, bien pour les choses, okay? It is hungry. On nous dit par exemple, tu as parlé de un chien, ou bien quelqu'un qui a un chat, okay? Par exemple, on dit pour chat, on dit chat en français, on dit cat. On nous dit par exemple, et cat la chat la grand goût. The cat is hungry. Excuse me. I forgot to put the or, guys. There's an or here. Hungry, okay? It is hungry. Chat la grand goût. The cat is hungry. Ou bien soit le site de nos chat la abdi. It is hungry, okay? It is hungry. Let's repeat them again, guys. Let's start over. Let's, okay? He goes to school every day. Si n'a parlé de gens, Jean va à l'école. Et tous les jours, ok? Eh bien, on glotte dit ça.
John goes to school every day. Ouais, métier IA, mettez John, ok? John goes to school every day. Et bien, si je vais citer nos gens, je vais remplacer par un pronom personnel en anglais. Et bien, c'est he. Et bien, en français, c'est il, ok? Je dis John. John goes to school every day. Et bien, je vais citer nos gens, je dis he goes to school every day. He goes to school every day. Il y a à l'école chaque jour, ok? Eh bien, she speaks Spanish. On a dit, let's say Rebecca. On nous dit Rebecca parle anglais vraiment bien, ok? Eh bien, on a dit Rebecca speaks English very well, ok? Eh bien, si on parle citer non Rebecca, si on parle citer non Rebecca, on a dit she speaks English very well, ok? Okay, guys, I hope you understand it. I hope you get it. I hope you catch it. Okay? This is very, very, very important, guys. Study. Let's move on, guys. All right. Do another slide. Okay. Now, guys, this is the plural forms. Okay. Ça est forme plurielle, yo, en français. Okay, c'est toi, yo. This is the plural forms. Okay. Ok, for instance, soit utilisé we are, qui c'est nous. Ok, on nous dit ensemble, nous travaillons, ok, we work from 9 to 5. Nous travaillons de 9h à 5h. Game on se aurait travaillé ça, le game. Par exemple, in the United States, for example, a 9 to 5 is a popular work schedule. Ok, work a this work schedule, ok, this schedule is a popular schedule. For work in the United States. Par exemple, États-Unis en particulier, 9 to 5 c'est un schedule qui est vraiment populaire. Gain pile monde c'est ouais ça gain puis au travail. Notre travail 9 to 5, ça veut dire de 9h du matin au travail, il tourne à 5h la caille. Il relâche à 5h. OK, we work from 9 to 5. Notre travail de 9h à 5h. We work from 9 to 5. Notre travail de 9h à 5h. OK. Because, for instance, I can say I work from 9 to 9. My job, I can say, for instance, I can say I work from 9 to 9. Okay, I might say I work from 8 to 4. Okay, moi travaille de 8h à 4h, par exemple. It is depends on your work, your schedule. Okay, depends your works. Donc your work schedule, ok? Ça va dépendre du travail, ok? You are very beautiful, ok? You are very beautiful, ok? Nous vraiment belles, ok? Si on parle de vie et de des filles, ok? Ou bien de des garçons, on est capable de dire, I might say you are very handsome, guys. You are very handsome. Ça pour des garçons, si on parle de filles, on va dire you are very beautiful, ok? On sait tous si on a parlé de audience là tout, on capable dit you are very special to me, okay, because you are supporting the channel, okay, because you have subscribed to the channel. On capable dit nous très spécial pour nous mêmes. You are very special to me. You are very special in the eyes of the Lord, okay. You are very special in the eyes of God, okay, and of Jesus, okay. Nous vraiment spécial. Non, je bon Dieu. Ok, let's move on, guys. Another sentence. On l'a exemple pour même Yoa. You were both late for class today. C'est, on dit par exemple, c'est des petits mouns qui à l'école, ils prennent un out là, ou bien tu as des problèmes et embouteillage, bah, ça arrive, c'est mouns en retard. Ok, et the teacher might say, le professeur capable dit, You were both late for class today. Nous tous les deux, nous en retard. Et pour classe là jeudi, nous tous les deux en retard pour classe là jeudi. You are both late for class today. Both veut dire deux, ok? You are both late for class today. Nous tous les deux en retard pour classe là jeudi. They take guitar lessons after school. Your point, ça est pour day, un exemple pour day. They take guitar lessons after school. Yo prend cours guitare après l'école. They take guitar lessons after school. Yo prend cours guitare après l'école. Okay, guys.
I think, guys, this is all. Let's one more time. We work from 9 to 5. Nous travaillons de 5h à 9h. De 9h à 5h. OK? Ça veut dire de 9h du matin à 5h, nous allons aller travailler. OK? C'est OSA. Okay? You are very beautiful. Vraiment belle. You are both late for class today. Nous tous les deux en retard pour classe jeudi. OK? They take guitar lessons after school. You prend cours guitare après l'école. OK? Guys, I think this is all for today. We reach the end of the lesson for today. But before we done with the lesson, I would like to make a recapitulation because this lesson is not very big. Okay, it's not very huge. It was not a lot. Okay, lesson ça va tant pis. Nous passons 40 ans pour recap. This lesson wasn't very a lot. Okay, it was not a lot. It was not a lot. Okay, lesson ça va tant pis. So, pense it was not like a lot of slides. We have a lot of slides for today. Lesson pas vraiment pile. So, I can make a recapitulation for you guys. I can recap. It was not a big lesson. Like, you know what I mean, okay? It was not a lot, like, different many slides, okay? Many slides that have a lot of things on it, okay? Lesson ça va vraiment pile. I think I can make a recapitulation for you guys. I can review, okay? We can make a review, okay? Hello everyone, this is Joe Alex, okay? On dit ça déjà. On va besoin de ça encore. Pronom personnel sujet, I, moi, okay? You, tu, he, li, she, li, it, il ou elle, okay? I, je, you, tu, he, il, she, elle, it, il ou elle pour les animaux ou les choses, okay? Oui, nous, you, vous, au pluriel, subject, personal pronouns, plural forms. Pour nous personnel, you, au pluriel, premier, ça me dit d'aller assez. Singulier, ça, c'est pluriel. On va utiliser au pluriel. Oui, nous, you, vous, they, you. Ok, nous, oui, nous, you, vous, they, il ou elle. Ok, let's move on, guys. Now let's practice together. Now let's practice together what we've been learning. Okay, on pratique ça m'te apprendre. I go to sleep every midnight. Moi-même personnellement, moi aller dormir chaque minuit. Parfois c'est ça va dépendre des autres. Okay. I am happy. Moi content. I am happy. Moi content. You go to the gym after work. Ou aller dans le gym là. Dès où sorti travail. You go to the gym after work. Okay. Ou aller dans le gym dans le travail, il y a mon qu'on s'est offert, il n'y a pas rien le matin, mais là aussi dans le travail, il y a dans le gym, il y a fait sport, ok? You are not alone, ou pas pour compte, ok? You are not alone, ou pas pour compte, I am not alone, ou pas pour compte, you are not alone, ok? Ou pas pour compte, ok? Let's move on, guys, to another slide, ok? Example with he goes to school every day, il y a l'école chaque jour. She speaks English very well. Elle parle anglais très bien. Okay, she speaks Spanish. She speaks German very well. Elle parle langue allemande vraiment bien. It is hungry. Les gangous pour les animaux pour les choses. On nous dit chien gangou. The dog is hungry. Ou bien soit c'était non chien gabel dit. It is hungry. Okay. I hope you guys get it, guys. I hope you guys understand. Let's move to our last slides. Today, okay. All right, we work from 9 to 5. Nous travaillons de 9h à 5h. Okay, 9 to 5, là c'est un horaire qui vraiment un horaire États-Unis pour travail qui vraiment populaire. We work from 9 to 5. Nous travaillons de 9h à 5h p.m. Okay, 9h a.m. 5h p.m. Okay, you are very beautiful. Nous vraiment belle. You are vraiment beautiful. You are very beautiful. Nous vraiment belle. OK? Et bah, ou non, dans ce sens, c'est nous la bien. OK? Je vais expliquer déjà. You are both late for class today. Nous tous les deux en retard pour classe jeudi. You are both late
for class today. You know, tous les deux en retard pour classe là aujourd'hui. OK. They take guitar lessons after school. They take guitar lessons after school. OK. Yo pon yon kou guitar apre lè ou sot l'école. OK, guys, I think we reached the end of the class for today. This is all for today. Again, thank you for tuning in. Thank you for tuning in. Thank you for watching. Please, if you like this video, please give it a thumbs up, ben like, okay? Share it, share, partager. If you haven't subscribed yet, subscribe to the channel. Si beaucoup abonné à channel là, abonné. Please hit the cloche notification. Petit cloche là, please. Ça veut dire même la gon vidéo. YouTube a automatiquement envoyé une notification ba ok, me partager une vidéo, okay? Yes, guys, thank you for tuning in for today. Merci parce que me déconnecté. And I will see you guys in the next video. May God bless you. May God bless you all. And I love you all. Okay? Bye-bye.